Bonjour à tous, nous sommes à Schœlcher. La commune s'étend sur un peu plus de 20 km² et compte plus de 20 000 habitants, ce qui en fait la quatrième commune la plus peuplée de l'île. Comme de nombreuses grandes villes de l'île, Schœlcher est un gros consommateur d'énergie électrique. Comment faire des économies et réduire sa facture? C'est le dossier de notre émission. Alors pour réduire sa facture d'électricité, il y a un certain nombre de gestes, on va dire, on appelle ça des éco-gestes que les Martiniquais peuvent faire au quotidien. Alors ça va du plus simple au geste un peu plus technique. Alors en geste simple, on a le simple fait d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. On peut également débrancher en fait les appareils qui sont en veille. On pense souvent aux téléviseurs, etc. On peut également, pour les détenteurs de climatiseurs, régler la climat à une température optimale. Généralement, on conseille 24-25 degrés, pas en dessous. On peut évidemment climatiser porte fermée. Pour ceux qui ont un cadre d'habitat assez ventilé, on peut privilégier la ventilation naturelle également. Après, il y a des gestes qui nécessitent quand même un petit peu plus d'investissement. Je pense notamment aux lampes basse consommation qui peuvent équiper nos foyers, donc qui viennent en remplacement des éclairages qui consomment un peu plus. On peut également privilégier un certain nombre d'appareils électroménagers de type A+, AA+, donc qui consomment moins d'énergie en fait sur moyen et long terme. Et puis on peut également privilégier notamment les chauffe-eau solaires en remplacement de chauffe-eau électrique. Donc si vous avez un chauffe-eau électrique chez vous et que vous avez la possibilité de mettre un chauffe-eau solaire, ben, c'est un éco-geste qui va diminuer sensiblement la facture d'électricité. Alors, est-ce que les énergies renouvelables contribuent à diminuer la facture? Pas exactement. En fait, les énergies renouvelables viennent surtout en substitution d'une énergie fossiles qui polluent. L'objectif des énergies renouvelables, c'est de quand même être moins dépendant de l'extérieur, de pouvoir valoriser en local l'énergie électrique, quoi, qu'on puisse produire de l'électricité avec de la ressource locale. Si on prend un foyer martiniquais classique, il y a plusieurs postes de consommation. Alors, le plus gros poste est la climatisation. Ça représente à peu près 50% de la facture. Ensuite vient la production d'eau chaude à partir des chauffe-eau électriques, d'accord, qui vient en second poste de consommation. Et puis on retrouve en troisième poste tout ce qui est utilisation des fours électriques, des plaques électriques, et puis tout ce qui est évidemment lié à l'électroménager, etc. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, toujours à Schœlcher pour notre rubrique Info Caille. En attendant, prends soin des Kaisers.